ne bouge pas. Alors, là, il y a un problème. Ah, l'avion est en pente. C'est bon. Donc on a 20, 40, 60. L'avion est en pente alors. On fausse les calculs. Eh bien, recoucou, on est encore à bord du Tango Novembre, on est à Aurillac, il fait très très beau, on vient d'appeler La Rochelle pour nous confirmer que la météo était du même acabit, avec un peu plus de vent a priori. Donc là, on va mettre en route l'avion, on va décoller, puis on va prendre la route de Sarlat et les châteaux de la Dordogne, et après on devrait remonter sur Royan et arriver sur La Rochelle pour midi. Pour midi. Ok. Voilà, voilà. Ça va être nickel. Je sens qu'on va se faire plaisir encore aujourd'hui. C'est sûr. Le pilote a bien dormi ? Le pilote a excellemment bien dormi. Bon, très bien. Donc, objectif, atterrissage à La Rochelle. Voilà. Okay. Et ouais. Alors, le glow. Le même à la caméra. Tac. Donc là, le glow hein, qui permet de réchauffer, c'est le réchauffe-bougie puisque c'est du diesel, hein, c'est un jet. Donc là, on laisse le glow s'éteindre pour dire que le moteur, les bougies sont en température. Quand il fait vraiment très froid, on n'hésite pas à le faire deux fois la séquence. D'accord. Là, il fait combien? Là, il fait 10 degrés, donc logiquement, ça devrait aller quand même. Hein. Là, on est pas mal, on est bon, allez, c'est parti. On va faire combien? Je pense qu'on risque de mouiller un petit peu pour le démarrer. Le moteur est froid, il met toujours du temps. Après, moi voilà. Je dis qu'il est très gentil là. Il est parti plus vite qu'hier. Plus vite qu'hier, ouais. Alors, finalement, ça m'embête. De toute façon, tu me demanderas et je l'ai sous la main. Un petit coup de chiffon quand même, parce que bon, après en vol, ça, la buée elle restera pas, mais au sol. Allez, LFBE, Bergerac. Bergerac. Ok. Et puis on va aller chercher. On va se faire en direct. On va aller chercher le NDB. On va mettre Roméo Yankee. Alors là, il faut revenir au premier. Voilà. On va mettre le NDB de Royan, Roméo Yankee. On va appeler la tour de contrôle maintenant que tout est chaud, le moteur, le cylindre, les gaz d'échappement, la pression d'huile est toujours en vert, tout est vert. Donc on est clean, on peut y aller. Aurillac, Fox, Tango Novembre, bonjour. Tango Novembre, bonjour, Aurillac Info, j'écoute. Bonjour monsieur, Fox Golf Bravo Tango Novembre 16972, parquet aviation générale au pied de la tour. Trois personnes à bord pour un vol à destination de La Rochelle. Ça sera une sortie pour Sarlat, Bergerac, et après on remontera par Royan. On a pris pas encore l'information, on se travaille donc les informations météo s'il vous plaît monsieur. Tango Novembre, c'est la 15 en service vent calme, Novembre Hôtel 1013, et vous rappelez au point d'attente. 1013, la 15 en service, on rappellera au point d'attente Fox Tango Novembre. Bon ben voilà, ça c'est fait.
est au point d'arrêt, Charlie, on est prêt à s'aligner, piste 15. Tango, novembre, le vent est calme et vous rappelez quitter la fréquence. On s'aligne, piste 15, on décolle, on a bien pris pour le vent et on rappellera en quittant la zone, vos zones, monsieur. Ouais, il me dit, vous rappellerez, il me dit pas, vous êtes autorisé à décoller. Ouais, ouais. Malheureusement, en tant qu'agent avise, il n'a pas cette possibilité. Étonnant quand même s'il y a des vols réguliers ici. Il n'y en a pas suffisamment pour... Parce que la DGAC, si tu mets un contrôleur, c'est la DGAC qui paye. Hein. Ouais. Là, c'est la CCI. Ouais, d'accord. Voilà. Et la CCI, il pourrait se payer un contrôleur, mais ça serait pas le même prix qu'un agent avise. Hein. Ouais, et puis il n'y a pas suffisamment de trafic pour le justifier. Eh ouais. Exactement, oui, je pense que ça. Ok. Alors, je synchronise. Ok, les deux câbles sont prêtes. Allez, les blessés, non, te fie pas ça, c'est parce que comme on était penché au parking, ouais, là, c'est ce que je regarde. Donc, on va mettre du pied pour remplir l'autre réservoir, il n'y a pas de souci. Et là, c'est pour ça qu'il y a une petite alarme, mais bon, c'est pas un souci ça. Ouais, ouais. Ok, c'est parti, bah vas-y, tu mets les mains sur le machin, hein. Ouais. Ok. Et puis moi, je tiens le volant, le merde, je tiens les pieds, d'accord. Gaz. Donc, je te donne les vitesses et quand j'ai rotation, tu tires. Ok. Pas compliqué. Et on partira sur la droite, hein. Ok. Sur la droite, c'est bien ça. Mais tranquille, hein. Pas, on va pas passer le relief, on va tourner avant. D'accord. Ok. Allez, c'est parti. Alors, le garde au sol. Faut le garder au sol, voilà. Là, je mets du pied à droite, hein. La puissance est affichée, le bandage est actif, il n'y a pas d'alarme. 59, on garde au sol encore. 55, on le garde au sol. 60, allez, on tire doucement, vas-y, doucement, doucement. Allez, doucement, voilà, stop. On met les ailes à plat, on baisse, on rend. Bon, voilà. La vitesse dégringole, il faut rendre à la vitesse, voilà. N'aie pas peur, on passera le relief. Non, mais j'ai pas peur, mais... Voilà, tu tires un petit peu, voilà, légèrement. C'est un homme fort. Faible inclinaison, parce que sinon on n'a pas la vitesse. Hein. Voilà. On va passer au-dessus du village, hein, donc on va l'éviter. Voilà. On va le chercher comme ça. Ras de le château si c'est joli. Voilà. On n'incline pas trop fort, on a une vitesse faible. L'inclinaison c'est 15% de la vitesse. Hein. D'accord. Donc tu vois, on est à 82. Donc l'inclinaison c'est 10 degrés max, hein, 12. Ah, ouais, ouais. Voilà. Alors, il va falloir, là tu tires un peu trop, si je lâche on va trop tirer le manche, regarde. Ah bah là t'as vu comment on... Alors voilà. Ouais. Donc tu vas chercher 82, on va chercher le cap vers là-bas, pour se mettre en avant arrière, à droite. Hein. Voilà. Donc remarque, tu me diras, Aurillac est là. Hein. Aurillac, Golf Yankee, bon. Yankee, bonjour, on roule point d'attente autour de... On va aller chercher par là. Golf Yankee, la 15, Van Calme, KNH 1013. Ouais, t'as le track qui est là. L'arrivée de la visée là-bas, c'est 0, pas mal là-bas. Là-bas, voilà, ouais. Alors remplis point d'attente. Voilà. On va rentrer les volets. On rentre les volets, tu vas voir la vie, il va descendre un petit peu, ouais. C'est normal. Hop. Ça c'est comme en zibu. Voilà. Et là maintenant on va aller chercher notre track tranquillement. On se détend, calme sur les commandes. On va prendre un petit peu d'altitude pour se mettre en sécurité. On prend un petit vario, voilà, tranquillement. On va aller chercher, je sais pas, 3000 pieds par exemple déjà pour commencer. La difficulté du terrain c'est qu'il y avait un relief qui pouvait pas... mettre un peu en panique quoi, donc le risque c'est de trop tirer, de décrocher, donc ouais, ouais. Le virage tranquillement et faible vitesse, c'est faible inclinaison obligatoirement. Allez, je coupe les feux de décollage, je coupe la pompe à carburant. Allez, on va prendre 80% de puissance. Hein. Voilà. Ben voilà, c'est parti. Et donc, à la manœuvre, Jean-Luc. Ouais, ouais.
applaudissons. Et on a décollé, c'est bien. On a décollé, oui. Oui. Bah, disons que je l'ai décollé de la piste. Ah ben, c'est déjà bien. Premier décollage, c'est pas merveilleux ça? On est parti sur Sarlat. On a grosso modo un quart d'heure, un petit quart d'heure jusqu'à Sarlat. On va attaquer les... véritablement le vif du sujet. Là on va quitter Aurillac. Fox Tango Novembre, on passe 3000 pieds, on est à l'ouest de vos installations. Pour quitter la fréquence et peut-être passer avec Limoges Information. Clermont Info, 133 décimales 725, au revoir. 133 725, merci monsieur, au revoir. Voilà, il m'envoie encore comme j'avais dit hier. Il nous renvoie encore sur l'autre fréquence. Il nous renvoie sur Clermont. Ouais, je comprends, ouais. Bon, on va le mettre, allez. On va lui faire plaisir parce qu'il a raison pour l'instant. On est quand même sur les zones de Clermont et on passera avec Limoges après. 90 et le transpondeur 1000, 1740. Passez 5 whisky, niveau 90 et 1000 au transpondeur, côté 740. 740 c'est correct, je vous rappelle dans 2 minutes pour plus bas. Côté 740. Ah, si c'est retour sur Alfa Romeo et Europe 65. Ah, ouais. Kilo Golf, c'est copié. Alors là on voit typiquement les nuages de P3D au sol. T'as vu comment ouais, ça fait? Ouais ouais. Là c'est très caractéristique hein. Clermont-Ferrand, Fox Tango Novembre, bonjour. Hop. Tango Novembre, bonjour. Bonjour monsieur, Fox Golf Bravo, Tango Novembre, un Cessna 172. Trois personnes à bord. On vient de décoller d'Aurillac, destination de La Rochelle. On effectue dans un premier temps une directe sur le terrain de Sarlat. On est 3000 pieds, QNH 1013, on transporte 70-00. Fox Tango Novembre reçu, et bien transpondeur 45-70. 45-70, Fox Tango Novembre. Et c'est bizarre. Bon, pas grave. Là, on a passé une ligne de chemin de fer. On a passé un grand lac sur la droite. Hein. Donc ça c'est un super repère, d'ailleurs sur le GPS on le voit, le lac il est dessiné. Ouais. Bon alors après si c'est inconfortable au niveau, si tu veux, du vol, hein, on peut prendre un petit peu d'altitude. Hein. Ouais, là, on est un petit peu là. Au Kilo Golf, donc pour info, la 15 et 1013 à Aurillac. Donc vous poursuivez sur Alfa Romeo, vous faites quelle procédure pour info? Bon, vu qu'ils ont passé Canox, je pense qu'on va faire une procédure à vue. Tu veux prendre un petit peu d'altitude là pour aller à l'aise? Allez. Eh bien, rappelez... Après, on a essayé de monter, donc on va tirer pour afficher... On va tirer pour afficher 89. Donc on y va, on peut y aller, tu peux tirer. Voilà. Mettre un petit peu de pied, voilà, comme ça c'est bon. On voit qu'il y a les éoliennes qui tournent, donc c'est qu'il y a du vent au sol, forcément. On a du vent dans le cul là par contre. Hein. C'est bon signe pour nous ça. Allez, on n'est pas 80 donc tu peux tirer encore. Hein. Faut pas se fier au vario, faut se fier uniquement à la. Ouais, ouais d'accord. Parce qu'on a des avions qui ne peuvent pas tenir le vario. Parce qu'on n'a pas de puissance extrême. Hein. Donc on monte avec une vitesse et jamais avec un vario. Ouais, le vario il est juste indicatif. Ok.
Fox India Hotel. Donc là, vous êtes par contre bien dans les espaces de Saint-Tien maintenant, demi-pied. Et donc avec Saint-Tien 123-4, transpondeur VFR, peut-être à plus tard. Je me fais balader là. Non. Bravo India Hotel. Bravo India Hotel, on est bien. On va faire première. Hein. On vise le point, par exemple la colline en face. Ah ouais. Comme ça, tu ne te focalises pas là-dessus. A plus tard, merci. Donc, remonte un petit peu, regarde, remonte un petit peu, tu seras plus à l'aise. Remonter pour afficher les 82, pour être vraiment à vitesse de montée. Voilà. Là, ils vont grimper. Le compteur, il est à fond depuis tout à l'heure. Voilà. Il faut le soulager le plus vite possible. Voilà, on bétonne les 80. Kilo golf, pour descendre vers la sécurité. Bon, on a 700 pieds à monter. On a présent la sécurité, kilo golf. La sécurité, 53 kilo golf. Pas de trafic connu, à vous signaler. On a 15 nœuds arrière. Là. C'est ça qui nous secoue un peu, là. C'est possible, ouais. On identifie radar pour info. Fox Tango Novembre, pardon, Fox Golf, vous confirmez Fox Golf Bravo Tango Novembre. Affirme, Fox Golf Bravo Tango Novembre, on est actuellement 4500 pieds, QNH 1013 pour une directe de Sarlat. Reçu, identifié, pas de trafic à vous signaler pour l'instant. C'est bien pris monsieur. Voilà, là on est pas mal, on est à 4500 pieds, on va aller peut-être un peu mieux que ça. Total 1740 à droite au cap 270 pour intercepter l'ILS-31, autorisé à approcher l'ILS-31 Rodez, rappel établi. À droite 270, voilà. Approche LS31, on rappelle établi 4740. Regarde, on a 95 affichés et on a 115 au badin. On a 29 dans les fesses là. Donc on est bien là. Ça, ça nous fait gagner de la vitesse. Hein. On va passer un petit lac. Mais t'as vu Pascal, les nuages ça fait comme dans P3D, à droite. Ouais, ouais. On a vraiment le... Enfin, dire P3D fait comme dans la réalité, on en devient... À dire que... Ouais, on fait à chaque fois l'inverse, ouais. La simulation fait exactement comme... Donc on est à 26 nautiques de Sarlat. Donc dans un petit moment, on devrait commencer à voir les paraboles. Hein. Bon, je vais vérifier quand même. C'est pas une zone interdite de survol, parce qu'on aurait l'air con quand même. Je ne l'ai pas vu sur la carte tout à l'heure. On est sur la prochaine vire, observant 3 kilogolf. Kilogolf parfait, la poursuite donc en espace aérien non contrôlé, ouais, pas de trafic à vous signaler. Et vous pouvez... Quand on est sur la rivière, j'ai vu, il y a un point à 1000 pieds à survoler. Allez, avec Aurillac, 53 kilogolf. Excellente journée à vous, à bientôt. A bientôt, merci. Blagnac, lui, voilà, tu vois ici là. Golf Alpha, allez, bien reçu, rappelé de retour. D'accord, quand on sera là, comme ça t'as dit qu'on allait survoler comme ici là. Ouais. Merde, je sais plus où j'ai. Dessous, jusqu'à Bergerac. Voilà, tu vois, ici là, il y a plus ou moins dessus là. Ouais, bien ça là. Ok, donc on va faire attention au château. 1740 reçu, et bien contactez Rodez Tour 118. Il y a des chances qu'on reste à cette altitude au moment où on entend les verres après. On est pas mal là, on va peut-être... Ouais, parce que là on va se prendre la couche là. Bon, c'est pas très grave, on peut passer comme ça à zigzag, tu vois. Ouais, d'accord. Le problème c'est que si on monte de trop, après on verra plus les châteaux. Bon, c'est plus calme, ça va mieux là. Ah, c'est mieux là. Voilà. Ouais, là, avant j'étais pas à l'aise. Ben ouais, mais il faut le dire. Hein. C'est normal, on a du vent. Hein. Le vent s'est calmé d'ailleurs, tiens, pour le coup. Après, de toute façon, s'il y a des nuages, c'est que forcément il y a une aérologie particulière. Ah, ouais, hein. Ah non, celui que je t'ai montré, il est entre Sarlat et Bergerac. D'accord. Ok. Marc, tu me diras, on va à Sarlat et ensuite vers Bergerac. Ouais, on va y passer dessus de toute façon. Bravo Tango Novembre, eh bien, quitter les espaces et rentrer avec l'idée dans Limoges. Donc 7000, enfin transpondeur VFR et Limoges Info 124050. Au revoir. 70-00, passe avec Limoges sur 124-050 de Fox Tango Novembre. Merci monsieur et bonne fin de journée. Au revoir. À bientôt, merci. Limoges Formation, Fox Tango Novembre, bonjour. Fox Golf Bravo Tango Novembre, bonjour. Bonjour madame, Fox Golf Bravo Tango Novembre, 1672, 3 personnes à bord, en provenance d'Aurillac, à destination de La Rochelle. On vient d'être libéré par le SIV de Clermont-Ferrand. On fait route sur Sarlat, on transitera Sarlat-Bergerac, et à l'issue on fera une directe sur Royan. On est actuellement 4800 pieds, QNH 1013, et on transponde 70-00. Fox Tango Novembre, affiché 70-47 au transpondeur, le QNH à Limoges 1016 transité. 70-47
70 47 Fox Tango Novembre. Ouais, mais Limoges, ça pète au schnock, donc si je mets le QNH de Limoges, on n'est plus en corrélation. Fox Golf Echo, you request runway 21, on retourne 03, les deux swing, 010 degrees, 59. Alors, t'avances à prendre de l'altitude là. Ah ben vas-y, gère-le, hein. Après, il y a peut-être aussi des courants à 100 pas, hein, quand même, ça non. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il peut y avoir de l'onde là. Tu vois ? Ah ouais, une espèce de courant qui fait une onde là. D'accord. Donc l'avion, il va tout seul descendre, tout seul remonter, tout seul descendre. Et il faut le laisser faire. D'accord. Parce que si tu contre l'onde, ben tu vas te retrouver entre l'onde. Ouais. Chaque fois que tu vas rentrer sur l'onde, tu vas te secouer. Dans l'autre sens, secouer, secouer, secouer. Tu vois ? D'accord. Alors que là, tu te laisses monter, descendre, monter, descendre. Ok. Après, il y a des ondes qui te font monter très haut et descendre très bas. Donc là, tu es obligé de t'en sortir. Mais si c'est une onde où il y a t'as mis le pied de monter, descendre, ben tu te laisses faire. Ouais, surtout ouais. Que lui, il a pas variable. Donc la vitesse de rotation d'hélice, elle est constante. Donc on n'a pas le souci de toujours en rajouter. Voilà. C'est hyper confortable comme machine. Alors on va arriver là sur un premier truc. Je me demande si c'est pas un château déjà qu'on voit devant là, mais bon. Regarde, sur la crête, il y a une zone là-bas. De toute façon, ce qu'on fera, on passera toujours à gauche des châteaux. Pour que Pascal puisse se filmer, d'accord. Que toi tu puisses les voir aussi de ton côté. Ouais, et puis après de toute façon tu rectifies les manœuvres, hein. Moi je... Ouais, de toute façon ça c'est juste un track. Ouais. À partir de Sarla, le track on le suit plus. Parce que le track entre Sarla et Bergerac il est droit, mais nous on va faire ça. Donc, ouais, d'accord. Ça ressemble à un château ce truc, mais bon je suis pas sûr en fait. Je sais pas si c'est un château ou si c'est un pont de... Palaise. Ouais, exactement. J'hésite. On dirait qu'il y a des toits au-dessus. Bah oui, hein. C'est l'impression que ça donne. Donc on peut faire une légère manœuvre à gauche pour s'ouvrir à gauche. Pour s'ouvrir oui, l'angle. Comme ça vous allez vous ouvrir l'angle à droite. Tu vois ? Léger, léger, hein, c'est pas la peine. C'est 2-3 degrés. Hop. Hop. Bon, la ville à côté, je sais pas laquelle c'est, j'ai pas le plan là sous les yeux. Alors, je vais essayer de te dire ça, on a passé un truc... C'est Saint-Céré, ah non ? Saint-Céré. Saint-Céré, d'accord. Ouais, il y a bien un château à Saint-Céré. Ah ben alors, ça doit être ça alors. Ouais. Ben tu vas le voir en dessous, sur notre droite. Hein. Il est juste en bas là. On va y arriver dessus. On va ouvrir. Tu vois, c'est l'avantage des ailes hautes, c'est que pour faire des photos, des films, ouais. C'est vachement agréable. Par contre, sur les tours de piste, hein, le hop te masque si t'es un avion au-dessus de toi. C'est ça qui te dérange, moi. Je trouve que c'est désagréable de ne pas voir la visu. Ouais. Par contre, pour faire du tourisme, c'est nickel. On le voit, l'avion, il est loin, le château, c'est bon ? Tu le vois bien, là. Tu le vois ? Bah, nickel. Nickel, superbe. Ah, tu dois le voir, il est là. Ah, oui, oui. D'accord. Bon ben voilà, premier château de la journée. On va les compter. Je vais mettre une bûchette. Limoges approach, Frontier Force 6521. Par contre, je pense qu'il doit y avoir un effet aussi qui est peut-être lié à la vitre. Ça te met une sorte de... D'accord, de rideau. Tu préfères filmer de ce côté alors du coup ou de l'autre ? C'est pareil ? C'est quoi ? Non, bah là pour la photo c'est pareil. Pour le film, ça passe bien. D'accord. Donc comme je filmerai pour les châteaux, ça sera bon. Là-bas, c'est la ville de Grama, à gauche, là. C'est la ville où ils forment tous les maîtres chiens, de la police et de la gendarmerie. On a un centre d'instruction à Grama, pour les maîtres chiens. Donc tous les chiens que tu vois en gendarmerie, ils viennent de là, tous. Là on commence à voir à mon avis les gorges de la Dordogne là devant nous là, tu vois, regarde. Ouais. Et je serais pas surpris, là-bas, là. Sarla, comme il nous met 23 nautiques, ouais c'est encore un petit peu loin. Je cherche les paraboles. Ouais, je crois que les photos je vais arrêter parce que ça va être difficile. C'est trop bon, non ? On a la possibilité d'ouvrir là juste pour que je fasse un trick. Ah bah bien sûr. C'est mieux, ouais, je pense que c'est lié, ouais. Ça polarise le...
La photo peut-être, la vitre. Ouais. Donc je vais regarder sur la carte à quel moment on va quitter Limoges, comme ça on ne sera pas surpris, pour passer avec Bordeaux. Sinon là j'ai sorti la mienne et j'ai tracé un trait entre Aurillac et Sarlat. Des bonnes routes, Limoges en fait on va pas les garder longtemps. Request proceed direct to Rompos for RNF on the runway 28 and proceed at least one holding pattern at Rompos. France Force 6521, proceed. On va passer avec l'Aquitaine. Copy, proceed avec Rompos, France Force 6521. Tambay 57. Tu vois, on va anticiper juste après Sarlat, paf, on quitte Limoges et on passe avec l'Aquitaine. Toujours avoir un coup d'avance. Ah, je sais pas ce que t'as là-bas. Ah. Ouais, faudrait zoomer. Tu peux zoomer avec ton appareil pour voir ce que c'est là-bas, Pascal, tu vois. Ouais, ouais. Sur nos 11h à peu près. On sait pas si c'est une ville ou si c'est un château. Bah tu sais, j'ai qu'un 50 mm, hein, je vois pas grand-chose. Elle avait pris une falaise quand même. C'est une falaise et puis t'as des grands bâtiments en bas je crois. Ouais. Hôtel Charlie Golf Alpha, ça veut dire bonjour. On dirait qu'il y a une structure en château quand même. Charlie Golf Alpha, bonjour, maintenez 70, route Bravo Sierra Charlie, vos intentions pour l'arrivée à Brief. Alors, faites des routes sur Bravo Sierra Charlie, vos intentions pour escorter ILS et enchaîner à 450 vols, même que le Sierra pour Amir. Golf Alpha, donc un ILS 29, puis votre redépart pour New York. C'est reçu, procédez bravo Sierra Charlie. Donc s'insérer, on l'a passé. Ouais, je vois pas marqué château sur la gauche, non. On a passé le travers de Figeac. Oh putain, et gouffre de Patirac en dessous, là. En dessous, là. Ah bah écoute, ouais, on a dû le passer même parce que... Non, on l'a passé, il était quelque part là derrière ou quelque part en dessous. Tiens, regarde à droite, là. Putain, eh, on a la... Oh, poteau. Qu'est-ce qu'il y a? On a Rocamadour. Où c'est que tu vois Rocamadour? Là-bas, à droite. Let's go! Les grandes falaises autour du... Et pas du côté de Rocamadour, là, quand t'as plein de racks, tu sais, pas loin, t'as Rocamadour, hein. Là, tu crois que c'est Rocamadour, ça? C'est pas loin. Bon, je vais allumer la tablette. La tablette, on aura tout dessus. Possible. Allez, on va allumer la tablette, on va vérifier. Au niveau du track, là, enfin, on a s'inséré. Ouais. Derrière, dans la foulée, on avait 3 minutes, on avait gouffre de Padirac. Ouais. Et quand tu continues sur l'ouest, gouffre de Padirac. Ah non, ok, j'ai compris. Rocamadour, il était un petit peu plus loin sur notre gauche. Mais ça ressemble... Ouais, non, c'est un peu plus loin à gauche, en fait. Ah ouais. Mais c'était vraiment pas loin, quoi. Mais c'est pas ça derrière, là, c'est pas ça. Vous laissez en direct ou vous ferez une boucle de raccordement? Ouais, voilà, ça c'est plutôt ça. On a pour ça directement, et donc on le rétracte. Ok. Donc on peut reprendre le track à gauche, là. Pour la faire en direct? Ah, si c'est pas ça, là-bas. Enfin, je vais vérifier. Si. Ça serait la fin de demain. Vous, mais ça passera. On reprend le track, à qui vous? En virage, il monte. Tu lui redonnes un petit peu de... Je pense pas que ça soit là-bas au Camadour. Si. C'est là-bas? Ça ressemble. Ah bah c'est là-bas, il faut y aller alors. Ouais. Bah vas-y, hein, Vas-y, tu fais un virage vers là-bas. Là c'est pareil au niveau du... Si je zoome avec le caméscope, je vois pas bien. T'as une ville, t'as un gros parking, à 99,9% c'est Rocamadour. Ok, alors attends, bouge pas, regarde, on va s'en mettre. Vas-y. On va s'en mettre un petit coup comme ça. Voilà. Hop là. Tu vas doucement exprès, hein. Voilà. Rocamadour va être en bas alors, hein. Ouais. Éloigne-toi encore un peu à gauche, sinon je vais pas assez d'angle. D'accord. Encore un peu à gauche. Alors je t'amène un petit peu plus.
Voilà, puis après tu pourras faire. Ouais, ok, 50. Nickel, vas-y, admire Jean-Luc, admire. Voilà. Ah, mais c'est de son côté, il n'aime pas trop, non ? Fox Golf Alpha, descend. Ah oui, peut-être là-bas, là. Ouais, juste en dessous, là, non. 45 degrés en dessous à droite. Ah, là, t'as un parking et juste derrière, t'as Rocamadour. Ouais, c'est ça, là-bas. 21 Zulu Romeo. Bon, vas-y, continue tout droit, fils. Ouais. 21 Zulu Romeo, bonjour, poursuivez la descente niveau. Il y a une petite minute tout droit et ensuite un léger virage. En cap Pacquel, et on envisage peut-être une approche à vue 11. Si vous pouvez voir avec Brice si c'est bon avec son arrivée. Ça va être compliqué pour l'arrivée, vous aurez de l'attente. Ok, tu peux commencer à virer léger. Prévue. Je me dis, vas-y léger, léger. Ouais, vous pouvez voir l'échappée de l'avion précédent. Ah ouais, c'est magnifique hein. Zulu Romeo, ce serait HAP à 36 pour vous pour la prochaine vue. Waouh. Impeccable, il 20 minutes. C'est ça. Quelle heure il se pose l'autre, s'il vous plaît? Eh ben dans 20 minutes. Je vois que ça en mettre la franchise de la pour vous. Monsieur Golf Alpha, quel est votre cap? C'est bon, hein? Cap 040. C'est magnifique. Oh là là là. Monsieur Golf Alpha, je vous suggère 15 degrés. Tu profites pas là par contre. Ouais, mais je l'ai fait une fois déjà. Pas de soucis. Les vols de Fox Golf Sierra Zulu Sierra, bonjour, stab niveau 8-0. Bon, tu vois, Phil, un passage comme ça sur environ 500, entre 500 mètres et 1 km au large 2, ouais, pour le 4, c'est nickel. Maintenant niveau 90, route. On l'a vu, on le voit bien évidemment. Faut-il pas Mike Golf et vous pouvez voir le niveau 30 de Sierra pour raison météo. Donc, et derrière, là-bas, quelque part, il y avait beaucoup de numéro Commando sur la carte, là, c'est bon. Aquitaine Approach, 120.575, bye-bye. Et nous, il y a 2 ans, on était quelque part là-dedans. Aquitaine Approach, quant à 120.573, bye. C'est pour le Europe 21 Zulu Romeo, sur une approche 11, on s'imposait à 28. Reçu. Donc là, c'est la Dordogne. Alors, un peu sous, c'est... Est-ce que c'est possible de monter au niveau 100? On survole là ce qui est en dessous. Je pense pas que ce soit la Dordogne, il passe par là. La Dordogne, on va y arriver dessus bientôt là. Ah ouais? Ouais. Oui, enfin quand j'y ai la Dordogne, c'est ce que je vois à droite là-bas moi. Ah oui, oui, là-bas, là-bas. Tu as raison, tu peux aller en bas. On va passer au nord de... On va passer une autoroute là, voilà. Ouais. Et après on va passer la ville de Gourdon. Et après on arrive à Sarlat. Voilà, et l'autoroute à droite, elle mène à Brive là-bas. Et là, quelque part à droite sur la carte, là j'ai vu, il y avait un aérodrome. Quelque part à droite, ouais pas loin, la cave, le front, la cave. D'ailleurs, il n'y a pas de code. Ouais, c'est un restreint. Ah oui, d'accord. Mais il dure de moins de 1000 mètres quand même. Hein. D'accord. Et l'image pour le Europe Zulu Romeo, vous allez pouvoir avec Brice si c'est bon donc pour notre approche comme ça. Avec un imposé avant. Ah. Non, c'est pas bon. Quand il est trimé et qu'il n'y a pas de vent, il bouge pas. Ah oui, oui, ah bah ouais. Vous dans 18 minutes maintenant, vous serez juste derrière. Soit vous voyez un guidage ou une HAP. Bon, on va faire une approche ici. Alors ça, c'est l'autoroute. Je ne sais pas si c'est pas l'autoroute avec. Tu sais, ici. C'est l'autoroute qui va de Paris à Toulouse. C'est l'ancienne nationale 20 qui va prendre son l'autoroute. Bon, quelque part à droite, on a LL. Oui, très bien. Brive. Ok, et on en est toujours au cap? On a Brive, ouais, qu'on aurait dû faire initialement dans la nave. Pour ici 2 minutes prendre la route sur ma. Et d'ailleurs sur la droite c'est Souillac. Là-bas, c'est la ville de Souillac. On voit sur notre droite. Là-bas? Ouais. T'as une espèce de viaduc on dirait là qui passe au-dessus de la ville. Ouais. Peut-être le chemin de fer d'ailleurs, je verrai bien. Ouais, ouais, c'est la ligne de chemin de fer. Parce que l'autoroute est à droite de la ville. Là on est à 6 minutes de Sarlat. D'ailleurs, si on se met sur Flyplan, on y sera à 10h26. Tu vois, un DPA. Allez, d'accord. Voilà. 11h26 à Royan. Et à La Rochelle, on arrivera à midi moins le quart. D'accord. Voilà. Bon, ça reste des prévisions, parce que si on s'amuse à faire des, des zigzags... Ouais, Gourdon à gauche, là, ouais. Bon, ben l'autoroute, hein. On a passé l'autoroute, on va derrière nous. Ah ouais, il est derrière. Là, on a Gourdon devant. Et ah, ça y est, on voit les paraboles de Sarlat, vous les voyez?
sous les nuages, voilà. Devant là-haut, la zone blanche. Ouais, ouais. Devant, ouais. Ouais, voilà. Ouais, c'est elle que je vise, en fait. Vous êtes prêt à copier la 40 départ? Golf Alpha, ce sera un départ au cap ouest. Mais tu vois, quand t'as un repère qui est bien visible, tu restes dessus. Et 40 départ. Ouais, ouais, c'est ça, en fait. De toute façon, le vol à vue, c'est un peu comme quand tu fais de la topographie en randonnée, ouais, avec ta boussole. Hein. Bah, tu vas de point en point, quoi, parce que tu n'as pas forcément le point final. Ouais. On prend étape par étape. Parce que si on passe le nez dans les instruments, c'est pas du plaisir. On fait du vol à vue quand même, hein, au niveau de la sécurité. Ne serait-ce que pour les autres aéronefs. Ah. Salut à tous. Coucou. Expert pilote. Ouais. Le maître pilote. Oh, la gueule du maître. Expert peut-être, pilote, je suis pas. Et l'apprenti reporter. C'est quoi? Le louche sort de sur ce corps. Donc on va laisser, on voit la piste de Sarlat, tu vois la piste là? Ouais. Elle est comme ça. Donc on va la laisser sur notre gauche, puisque nous on va aller s'inquiéter dessus de... Donc je tire un peu à droite. Voilà, on va aller chercher les gorges de la Dordogne là. Donc faut rester, hein, Jean-Luc, à environ entre 500 mètres et 1 km au sud de la gorge pour que nous on le voit bien et que je puisse le prendre au cap. Eh ben tu me dis quand il y a des corrections à faire parce que... Bon. Pour l'instant on est très très bien. Je laisse la piste à gauche. C'est royal, voilà. Donc on a accroché la Dordogne et après on va rester au-dessus. Il y a la piste là-bas, je la vois. Dans de Sarlat où on s'est posé au Tour de France d'ailleurs. Ouais. Ah oui, ça y est, je les vois les deux, d'accord. Bon, alors on a une séquence machin. Vérifie que l'outil fonctionne toujours. 32 minutes au bazar là. Ah bah c'est cool. C'est bien parce que finalement en étant parti hier soir, finalement c'était la bonne solution. Parce qu'au moins tu vois, on vole le matin, l'après-midi on se repose. C'est pas mal aussi quoi. Parce que bon, l'avion c'est bien, mais c'est bien aussi de profiter. Là surtout qu'on va voir les copains donc. Ouais. Alors, la Sarlat, la route. Donc LF DS, un DS quoi. Delta Sierra, tout à fait, ouais. Bon, on est à 3 minutes de Sarlat. Là, il y a une grotte en dessous les gars, à côté de Gourdon. Ah, ouvrez les yeux, hein. Ah bah ouais, ah je la vois quoi. Il y a la fourmi qui sort de la grotte. French 165-21, mettez-vous en attente à Gompo et rappelez prêt à débuter la R9. Bien pris, 165-21, on rappelle prêt à débuter. Armezac, Rocky Armezac. Donc la Dordogne elle est sur notre droite, là on la voit là-bas, parfaitement, ouais. Voilà. Parfait. Donc pas mal de mémoire sur ta gauche, Pascal. Oui, tu vois où il y a la piste là, ouais. Sur la gauche, il va y avoir un château. D'accord. Juste là. Ben, je vais de toute façon je commence à filmer en mode cap. Golf Alpha, tournez à gauche au cap 320, autorisé à l'ILS 29. Bon, allez, on est parti pour les gorges de la Dordogne. Alors, par rapport à la piste, tu m'as dit quoi, bravo, tire à Charlie. Normalement, il est à droite, hein. Direct BST, Zulu Romeo. Alors, pour l'instant, je le vois pas. Je cherche, mais je le vois pas. Alors, vous avez les yeux, hein. Bon, ça, je vais le fermer parce que ça va m'emmerder. Voilà. Qu'est-ce que tu cherches, là? Il y a un château qui est à droite de la piste, normalement. Donc là, on est super bien placé. Non. Ça, parce qu'elle va le voir, on va y être dessus. Ah, je vais peut-être devoir un peu descendre ou pas là? Tu peux, ouais. Ouais. Bon, ouais, vas-y, tu peux descendre en douceur. Tu prends un petit vario, tu vois, 300-400 pieds léger. Ouais. Comme ça, on passera sous les nuages, puis on va se rapprocher des châteaux. Ben, c'est normal que ça va remuer puisqu'on est dans pile poil dans la zone de turbulence des nuages. Donc, une fois qu'on sera dessous, ça ira mieux. 531, on fait plus. On est dans l'attente, on souhaiterait descendre vers 2800 pieds, 1016. A droite, c'est la ville de Sarlat, là-bas. 6521, descendez 2800 pieds, j'ai qu'une H1017 en Angoulême, personnellement. Alors, il est où ce château, là, pour l'instant? 2800 pieds, 1017 affiché, 6521. Donc, on va contacter Brive, 121-125. Ah, ouais. Légèrement un petit peu sur la droite, comme ça, regarde. Ce que je fais ça avec Brive 121-125. Parfait. On va être dessous, là. Tu vois, il y a un hameau de maison à droite, là.
Ouais. Je pense que le chapeau il est dans ce hameau de maison. Ouais, on est après le hameau. Voilà. Good morning. Ouais, je pense que c'est ça. Bah, c'est lui, il est là. Vas-y, rectifie, parce que moi je le vois pas. Tu vas le voir, c'est un loup. Ah non, mais c'est pour lui. Tu le vois le chapeau là? Il est là. Ah ouais. Il y a un mât de maison. Il chie sur radio là. Tu vois, il y a un mât de maison et le chapeau il est au bout là-bas. Ah oui, d'accord, c'est bon, je vois. Là, je vois. Voilà. Sable à 2800 pieds, 1017 en virage de procédure vers la Belgique. Débuté 65-21. Négatif, correction, on va partir pour un 360, allez. Je suis rappelé prêt à débuter et à copier la prochaine différence du cours. Bien, plus 65-21. Sur SCPA, sur le chemin de ronde pour une visite des portails. Voilà, je laisse comme ça pour l'instant. SCPA au chemin de ronde. J'ai repéré la zone, il y a eu de l'eau à la cour. On ne doit pas survoler à moins de 1000 pieds. On va aller loin. Aller loin, donc c'est bon, donc on peut descendre là. Ah, on aime bien le chapeau là, dis donc. Allez, on va se chercher les chapeaux quand même, hein. Par contre ça risque de remuer un petit peu parce que le maître du pilotage a pris les commandes. Oh, le maître de rien du tout. Bah si, hein. on a un expert à droite, on a un maître. Là il y a un chapeau là, regarde, on voit la tour des arbres. Ah, faut le voir, ah putain, tu la vois la tour spectrale? Ouais, ouais, ouais. On dirait un truc des visiteurs. Ouais. Je veux dire, même les maisons en elles-mêmes, elles sont belles. Non, mais l'ensemble est magnifique. Ah ouais, c'est une tour, tu vois? Tu le vois, regarde. Ouais. La tour spectrale. Ouais, ouais. Tout l'ensemble était fortifié en fait. Alors là, il y en a un autre là-bas. Il y en a un autre ici. Ah oui, d'accord. Il faut que j'appelle Angoulême pour la maison. Vous n'en faites pas, c'est pas. Voilà, bah je te laisse, j'en profite, hein. Ouais, ouais, mais c'est le but, là. Profitez. Ah ben là, on va avoir les jardins suspendus de Marquessac, là. Ouais. 65-21, 0,10 degrés 8 pour le vent. Ouais, 0,10 degrés 8, merci beaucoup, là. Le chapeau, tu l'auras sur ta droite, Pascal. Ouais, d'accord. Ah ouais, là t'en as pas. C'est des manches, on l'a fait, hein, mais... Ah ouais. Ouais, on peut descendre maintenant, ou on maintient encore le toi à place, très bien, il descend à partir de Bravo Sierra. Voilà. Le numéro 1 est très lent devant vous, et il vient de passer Bravo Sierra Charlie. D'accord, j'avais cru l'entendre en fréquence. Donc le jardin suspendu. Là, il y en a 3 châteaux. On va faire 1, ouais, t'en as 3, hein. Et 3. C'est des bons. Donc je vais ouvrir à gauche. Bah, j'en ai repéré un là-bas derrière. On va en plus là-bas. T'as les 3 qui sont alignés. Alignés là, ouais. Allez, j'ouvre à droite. Hein. Comme ça, voilà. Bon alors, j'en ai vu un là-bas. Ah ouais, ok, c'est deux, le 3, premier. Le voilà. Attention, pas trop vite. Ok, je l'ai. Je remonte la Dordogne. C'est dommage de ne pas voir ça, bon ça. Ah ouais. On est dans les basses couches, donc ça remue un petit peu, mais bon, le spectacle est joli, hein. Je vais essayer d'ouvrir un petit peu pour que tu puisses prendre celui-là. Allez, après, je ferai un virage. Yankee, contact Aquitaine 129, décimal 875, bye-bye. Ben, juste avant le plan à gauche, voilà. Ok, vu. Juste là et l'autre bout. Au paradis. Bon, là, on n'est pas haut, hein. Je vais tirer droit comme ça tu vas le voir. 21 Zulu Romeo, on peut débuter la descente, on n'a plus le trafic aussi bien. Ouais, là t'es un poil prêt pour moi. Ouais. Voilà, là c'est bien. Putain, il y en a un autre là, je vais pas. Celui-là il n'y passe sur le simul. A gauche il y en aura un, tu verras.
Bon, il faut qu'on tourne autour pendant 5 minutes, là, pour vous décider. 65-21, on va débuter la procédure et on est prêt à noter la prochaine. Mais on va vous foutre tout le terreau, quoi. 65-21, la prochaine séance sera à 2018. Il n'y a pas d'autre mot. 43-07, on s'en perd. Ah, bien plus, on a le soleil pour moi, on a le soleil derrière. 2017, sur Gompo et 43-07 pour moi. 43-07. Aïe. C'est correct, autorisé à la R9 piste 28 et contacté à Angoulême 123-15 à tout de suite. C'est magnifique, hein. 123-15 sur Angoulême. Excellent, Phil, excellent, voilà, parfait. Allez, encore un petit coup de zoom là. Zulu Romeo en 4000 de gaz sera un cap plein sud en montée 3000 pieds au NH 1016. Excellent, Phil, parfait. On est autorisé parfait, à l'approche. Parfait. Affirme, descendre 3000 pieds au QNH 1015, autorisé à l'approche ILS piste 29. Ça va, le vertige, là. Non, c'est bon, c'est bon. C'est au démarrage, c'est au décollage où j'ai une phase d'adaptation. Après, c'est bon. Y'a pas de souci. Vous avez un petit château à droite, un tout petit à droite, et on va en faire un autre à gauche. Regarde, sur la... Ah oui, celui-là aussi. C'est au paradis du photographe là. Ah oui, là, d'accord, ok, on va. Madame, à droite, hein, à droite de la Dordogne. Bon, c'est tout petit tout, hein. Ouais. Alors, là, aux autres. Ok, je vois la Dordogne, je vois la ligne de chemin de fer. Il est là-bas, regarde, tu le vois. Ah, ça y est, vu. Voilà. Donc, il y en a un autre, on y est dessus quasiment. Je vais ouvrir. Voilà, il est juste en dessous de nous là. Ben, bon, regarde, ben, une heure là. Je vais faire un virage au-dessus. On va incliner, allez, hop. C'est bon, voilà. Une inclinaison comme ça, c'est bien. Après, tu vois, tout l'art du pilotage, c'est de trouver la bonne distance, le bon angle pour avoir la bonne ouverture, et après rester stable. Et là, c'est bien. Le risque, c'est le, pas le risque, mais le problème, c'est que c'est les turbulences, là tu les maîtrises pas. Ouais. Le problème du virage, comment on fait, il faut faire attention d'avoir suffisamment de vitesse pour pas se mettre en danger. Il faut pas non plus partir en tirage engagé. Ouais. Là, tu pilotes à la fois au palonnier et au mort. Ah ouais, ouais. En tirage incliné, il faut mettre du pied. Hein. Ouais. T'en as un dans les arbres, regarde, il est passé à droite là. Ouais. Sur l'avant de l'aile. Ah ouais, ouais, ouais. Voilà. D'accord. Attends, ouais. Je vais lever l'aile. Voilà. On va arriver à Saint-Cyprien. Golf-Delta, bonjour. Procédez comme autorisé, identifié radar. Aérob Zulu Romeo, contactez Brive 121 125 en bas. Brive 121 125 Zulu Romeo. Hein. Ah, tu vas en avoir de l'image, hein. Ah ben là... Prends les yeux, là. Là, c'est un truc de fou, là. Alors après, qu'on regarde un peu où on est, là. C'est Cyprien... Ah oui, il y en a encore un, normalement, à droite, et après à gauche, là-bas. Là, il y a l'aérodrome de Belvès. Donc là, normalement, il n'y a rien. Il y en a un, là. De mémoire, donc, il y en a un, là, dans les arbres. Ah, il y a une grande bâtisse, là-bas. Ouais. Et montée niveau 7-0. Je suis à gauche. On va aller la chercher un petit peu. Je crois que l'autre, il est là. Il y a une bâtisse à gauche, là, je sais pas si c'est ça, là. Ouais, il y en a un, là, mais c'est pas celui-là, le château en question. Il sera plus loin, à mon avis. Ouais, t'as des super corps de ferme, là, qui ont été... Ouais, à gauche aussi, t'en as un joli, là, qui est en... Ouais. Juste en bas, à gauche, là. Ouais. Juste là. Et l'autre, il est en bas, en haut sur la montagne, là. Ah oui, là-bas. Ouais. Voilà. Ah là, il est beau, celui-là, château, oui. Il est joli, celui-là aussi. Regarde, Jean-Luc, sur la gauche, là. Jean-Luc, pardon, regarde. Ah oui, on le voit bien, là, maintenant. Ouais, là, on le voit mieux. Et à droite, il est où, l'autre, alors? Ah, à droite, je vais te l'amener sur la droite. Je tire droit. Pour l'instant, je vais essayer de trouver le suivant. Je me demande s'il n'y en a pas un au fond là-bas dans les arbres là-bas.
Ouais, ça doit être clafi, hein. Là, il est là, regarde. On y arrive dessus. Ouais. Je vais lever l'aile. Ça ressemble à une grosse ferme, ça. Ah oui, d'accord. Okay. C'est vraiment dans les arbres, hein. Ouais. C'est un château, ça aussi, hein. Avec sa chapelle, hein. Avec il a sa chapelle avec. Le voisin, Pascal, ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bien comme ça, je fais un peu de dérapage et je rappuie l'aile. Mais d'une pierre deux coups. Petite demeure. Ah ça y est, je vais trouver l'autre, il est là-bas. Alors l'autre il est là-bas. Allez le chercher. Bon l'autre il est forcément moins. Il a l'air d'être plein centre du village là-bas, regarde. On voit le grand donjon comme ça. Il y a un pont. Le pont qui rentre en ville, ouais, la route ouais, est un ouais, virage, ouais. Et là on va y faire face. Ouais. Hop, tu te mets sur ta gauche. Ouais. Là en ville. Ah, ouais, là-bas. Allez, on passe sur le château. Voilà. Il y a là, regarde, bouche juste. Tu le vois? Ouais, c'est il y a la piscine. Ouais. Tu l'as vu? Ouais. Allez. Ah ouais. Juste là. Ouais, on l'avait pas vu. À mon avis, si on le cherche, on va le trouver toute la journée. Hein. Et il y avait un, à mon avis, il y avait un grand dans la forêt là-bas qu'on n'a pas vu. Par contre, là, on est passé vertical de l'autre. Là, celui-là, il est là, ouais. Il est là. C'est impressionnant le nombre de châteaux qu'il y a quand même dans cette vallée. Ouais. On est tout arrivé sur la zone où il ne faut pas surrouler. Alors là, je suppose, je ne suis pas certain, je vérifie. Un truc qui ressemble à une tour, mais est-ce que c'est ouais. Un château d'eau? C'est un château d'eau, a priori, ouais. C'est ce que je pensais, mais non. C'est un château d'eau là-bas. La tour ronde, là. Ouais. Ça ressemble plus à un château. Bon là-bas t'as une grosse antenne énorme. Où ça? Bah à droite là-bas. Ah oui d'accord, ah ouais, c'est à deux heures. Tout à l'heure, ouais. Yes. Bon c'est bien, je rappelle un peu les réservoirs là. Bon c'est pareil, regarde à gauche, il y a un truc. Ça pourrait ouais. Être assimilé au château, tu vois, ouais. Le bâtiment là. Ouais, je vois. Mais, je vois. Après... Ouais, mais enfin, tu en as de tous les côtés, quoi. Ouais. Après, entre le château et la grosse ferme, difficile à... Ouais, ben c'est comme là, t'as une bâtisse avec une tour, plus, hein. Mais ouais. Je crois que j'ai... On va sortir, je vais les rappeler. L'image de Fox Tango Novembre. Tango Novembre, j'écoute. Je pense qu'on est sorti de vos zones, ou on reste encore un petit peu avec vous? Je vous ai plus au radar, alors vous pouvez volontiers quitter et passer avec le secteur suivant qui sera sûrement Aquitaine, j'imagine, 120-57, 7000 secondes à embarque. 120-57 avec Aquitaine, merci madame et bonne fin de journée, au revoir. Au revoir. Allez, ça fait un moment qu'on l'a quitté, mais bon, avez-vous plus au radar, on est tout le monde bas ou pauvre? On est sur le... n'était pas si bas que ça. Et ouais, mais c'est par rapport au relief, Ah oui. Avez-vous plus au radar. Bon, après au niveau château, je crois qu'on a passé le gros, les gros morceaux là. Ouais, certainement. C'est quoi la ville à droite là-bas? La ville à droite, c'est Le Bugué. Le Bugué. Ah. Le Bugué. Là, on survole Le Buisson. Et Mozac. Ah si, Mozac, il doit y avoir un château à Mozac. C'est pour ça qu'il y a une zone interdite là, à 1000 pieds. Et on est à plus de 1000 pieds, hein. Là, on a plus de 1000 pieds là? Ah oui, oui, oui. Ah bon? Ah ouais. Mais regarde, je suis à 1900 pieds au niveau de l'alti, d'accord? Ouais. Et le point le plus haut, il est sur la droite, la colline, elle est à 1500 pieds. D'accord, donc on a, alors, on a 800 pieds alors. Ouais, mais du point le plus haut quoi. Du point le plus haut, ouais. Regarde, on doit être à 1000 pieds alors. Ouais. À mon avis, on est pas mal là, ouais. Hop.
après Alors du coup le château je sais pas par où le prendre, on va le prendre par la gauche, par la droite, on va prendre comme ça peut-être. Bon, va falloir trouver les réglages de P3D pour que ça donne un rendu encore mieux que ce que je peux avoir déjà. Alors Mozart, il est droit devant, t'as fait une espèce de spaghetti, c'est dans le virage, donc Mozart est droit devant. Et je vais mettre un petit peu à droite, hein. Donc la zone elle est à gauche. Hein. D'accord. Alors, je sais pas ce qu'il y a, on verra bien. Hein. Non, là, il faut pas que tu passes, c'est ça? Ouais. En fait, si, je peux passer, mais à mille pieds, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, il y a un village là-bas, le, voilà, le village de Mozac. Et à l'entrée du village, il y a cette zone-là, au bord de l'eau. Ouais. Donc, en gardant, en fait, cette, ce cap-là, on va voir ce que c'est. Tout aussi bien, il y a un élu qui a sa maison, mais voilà, hein. Ça m'étonnerait quand même. Si, c'est possible. Ah oui, ça c'est possible, oui, ça c'est sûr. Ah ouais, il y a déjà des cas comme ça. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, avance. Ah ben, quand Sarkozy, la famille, sa femme, ils avaient une maison au Cap Nègre. Ouais. Ah ben, ils sont pas fait chier, ils ont créé une zone R. Hein. Et oui. Voilà, hein, terminé. Ok. Bon, ben écoute, la zone elle est là. Tango novembre, tu la fréquences? Donc Tango novembre, bonjour madame. Oui Tango novembre, j'écoute vos éléments. Bonjour madame, Fox Golf Bravo Tango novembre, Cessna 162, de 3 personnes à bord. En provenance d'Aurillac, à destination de La Rochelle, on vient d'être libéré par Limoges Information. On est actuellement à 2200 pieds, secteur Bergerac. Et on va faire une route directe Bergerac-Royan pour une arrivée prévue à La Rochelle. Reçu Tango novembre, vous affichez 12h30 au transpondeur. 12h30 au transpondeur pour Tango novembre. Bon là il y a un barrage, c'est ça la zone interdite? Clairement je ne sais pas. Hein. Ouais, Tango novembre, pour info, vous étiez en TMA, il aurait fallu appeler plus tôt, on a une arrivée Bergerac et à cette altitude vous êtes conflictuel avec la finale IFR à Bergerac, vous auriez dû appeler plus tôt. C'est bien pris, bah, écoutez, on était avec Limoges, en fait ils avaient oublié de nous libérer, donc c'est un petit peu la raison pour laquelle on a un peu tardé à vous contacter madame. Écoutez, on suit vos consignes, donnez-nous une directive, on va l'appliquer. Oui, alors vous ne faites pas une verticale Bergerac, vous restez au nord des installations et puis même si vous souhaitez une directe Royan, vous pouvez procéder directe Royan. Mais en tout cas, vous n'allez pas plus au sud. C'est bien pris madame, c'est bien pris. On prend une directe Royan depuis notre position, ce qui devrait nous faire passer au nord de la ville de Bergerac. Aquitaine, Réa 43, bonjour. Allez. Donc là, la Rafale 43, bonjour. Patrouille de Rafale, décollé de Marsan, destination Marsan, est actuellement dans le 140 pour 26, sur le terrain de Bergerac, au niveau 55, et on transponde encore au 0300. Ouais. Vas-y, tu peux prendre le Rafale. 43 affiché 12-01. Tu peux y aller. Ouais. Tu gères avec le vol. Et on affiche 12-01 transpondeur, ce serait pour poursuivre en vol à vue. En fait, elle a un Ryanair qui arrive a priori sur Bergerac. Et comme on est dans les zones dans lesquelles l'avion va se poser, ouais. Mais bon, quand tu prends la carte, on n'est pas dans la CPR, hein, le Bergerac. Hein. Donc bon, après c'est, bah, c'est des coutumes locales. Non, non, elle a parlé de la TMA, donc on doit être juste dans les secteurs qui précèdent la CPR. Ouais, en fait on est rentré dans la TMA dès qu'on a quitté Limoges. Ah oui, d'accord. Et Limoges aurait dû nous libérer plus tôt, mais comme il ne voyait plus au radar, bon. Ah, il savait pas, ouais. C'est au 115 approuvé sur un cap moyen de 30. Bergerac, c'est ce qu'on voit à gauche là-bas? Eh bien, en moto 115 sur un cap de 30 vers Marsan, Ryan 41, merci. Tu vois, la zone elle est là, tu vois Bergerac où il y a le côté, on n'y rentre pas dedans. Hein. On passe à où sur le.
en train de lancer le plein de château quand même, hein. Par contre, en faisant la Bergerac, bon, on va passer logiquement, pratiquement... Ah non, on va éviter, on sait qu'on est là. Bon, on passe là, là... Ah, il doit y avoir vachement de vent, là. Et voilà, on a du vent, ouais. Bon, bon, allez. Bon, ben voilà, on est parti sur Royan. Bon, je peux arrêter mon... Bon, si je vais le laisser allumer, quand même. Ah ben c'était excellent ces châteaux, hein. Ah c'est chouette, hein. Ah ouais, donc l'autre là en plus il y en a deux, on est bien éclairé, c'est magnifique. On va prendre un petit tap, alors le tap tu vois il te dit 303. Il y a Aquitaine vers Réac 43 en arrière, il est en pour partir vers Grand Marsan. Donc on peut prendre un petit tap, on est dans la zone. Merci beaucoup. Oh ben là c'est bon, regarde, on est dessus, on est derrière, hein. C'est nickel. Parfait. Ah, mais... Elle a pas l'air souple, la dame. Ouais, bon après, oui, ouais. Non mais bon, là, j'aurais dû appeler Limoges plus tôt, lui dire on sort de chez vous. Et l'habitude de toujours de dire vous quittez maison, de passer avec, tu vois. Ouais. D'accord, heureusement que je l'ai dit, on passe, on pourrait peut-être vous quitter, non. Ah là, c'est la difficulté de faire la visite et puis en même temps d'être certain de... Exactement. D'être sûr ou juste à côté ou de sortir de la zone, hein. Et là, bon, à Tupène, heureusement, on est en fréquent, là, tu vas nous appeler au hasard pour savoir si on l'écoutait. Déjà, on était à l'écoute, mais c'est effectivement, j'attendais pour l'appeler, j'aurais dû l'appeler de suite, en fait. Si je l'avais appelé de suite, peut-être qu'on n'aurait pas pu faire tout le château, hein. Ouais. On aurait peut-être dégagé plus tôt, donc... Et elle qui nous disait qu'elle nous avait plus au radar. Descendre au niveau 60. Oui, approuvé, 6, le niveau 60. Hier Limoges, ça nous voyait plus au radar, elle aurait pu nous dire, oh les gars, je vous vois plus, vous êtes où là. Là, ouais, c'est ce que tu ne pas quoi, tu ne vois plus, ouais. Ça affole personne quoi. Ah bah c'est Bergerac, ouais. Bon alors, Bergerac, tiens. Je remets. D'ailleurs, Tabé nous a donné un code transponder à type ISR là. Il y a 43 contactés, Marsan, fréquence 268, décimal 6. Pascal, regarde en dessous. L'ULM avec une plus grande. Oui, 2, 6, 8, décimal 6. Merci beaucoup pour le service. Au revoir. Standard 0300, au revoir. Le mec, il a mis son ULM dans le jardin. Ah. Et il a mis son ULM dans le jardin. Et ouais. Il a fait une petite poursuite en herbe. Hein. Ouais, ou alors tu l'as fait entre les champs, tu sais. J'ai vu ça aussi à l'occasion. Bon, alors Bergerac, d'accord. Bon là il y a des entrées maritimes on dirait, c'est bizarre. Non, c'est quand même du grand soleil là. Bon. Attends. Ouais, l'histoire du 1000 pieds là, sur la... du point 1000 pieds là, j'ai regardé. Ouais. Là, il y a marqué novembre, barrage. Votre trajectoire n'est plus conflictuelle avec Bergerac, hein, donc pas de restriction de trajectoire. C'est bien pris madame, écoutez, on reste toujours en DMC, on est juste en dessous de la couche. 2700 pieds, QNH 1013. Et on effectue une directe sur le NDB Roméo Yankee. Pour l'instant, on attend vos consignes. On devrait passer normalement au sud de Cognac. Oui, je pense que ça passera au sud de Cognac. Ils ont juste CPR et CT active. Le QNH régional 1017. 1017 QNH régional. Octobre novembre. Bon, bah du coup, on a pris 4 pieds. Donc ça veut dire que par rapport à Aurillac, c'est beaucoup plus anticyclonique ici, tu vois. Bon, il y a une ville au fond là qu'on va survoler, je sais pas pour laquelle ça va être pour l'instant. J'espère que les nuages, on va plus en avoir parce que là, ils nous... Ouais, c'est en train de changer là. Ils nous emmerdent. Hein. Bon, on a le sol en vue, il n'y a pas de soucis. Hein. Le seul truc c'est que c'est un petit peu turbulent, c'est dégueulasse. Ouais, ouais. Donc tu vois, regarde, il y a le blé juste dessus, et c'est vraiment des stratus ça. Ouais. C'est une couche fine. Hein. Si ça nous emmerde trop, on prend une trouée, on passe dessus. Mais le problème c'est qu'on verra plus qu'un dessous quoi. Le stratus c'est dangereux quand il y a du relief. Parce qu'il se cale dans le relief et du coup tu peux plus passer. Ouais. Là ça va, c'est de la plaine. On peut passer en dessous, il n'y a pas de soucis quoi.
Voilà, on le s'hébergera quand sur la gauche. On se rappelle sur le plan de vol. Moins 10, midi moins 10 pour l'instant. Bon, on a perdu 5 minutes, ça va? C'est raisonnable. Ah, ça va, tu vois, on voit le sol devant, il n'y a pas de souci. Même si c'est un peu crapoteux, il n'y a pas de danger particulier. Au pire, tu peux donner une légère léger, tu vois, pour passer hop, comme ça dessus. Un petit peu. On voit que derrière, c'est clair. C'est-à-dire que le nuage passé, il n'y a plus rien. Tu vois, c'est le cas là. Ouais. Il y a un vache de corps de ferme en dessous là. Ouais, ouais. Avec la piscine. Et piscine. Ah oui, disons, j'ai même pas vu celui-là. Ouais, c'est un petit château ça aussi, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah bah ta piscine, il y en avait là de l'autre côté. Hein. Ouais. C'est vrai que... Là, c'est vrai que pour regarder le paysage, l'aile haute, hein. Ah, c'est plus pratique. C'est fabuleux. Eh ouais. Ah, la ferme, là aussi, elle est jolie celle-là. Ah, là. Ouais. Là, mais typiquement dans du vol VFR, hein. On voit la vue, il y a des nuages, donc on est obligé de, ouais, ouais, de faire du slalom, voilà quoi. Voilà, après, bon, quand les nuages sont trop forts, on peut descendre éventuellement, mais là, bon, tu vois, en zigzagant, ça passe bien. Ouais. Après, t'as le droit de bord droité, c'est pas... Pour ça reste dans une logique. Si c'est pour éviter de juste toucher à peine les nuages au risque de se foutre en l'air, c'est complètement con, quoi. Derrière, on voit que c'est clair, donc on peut passer. Il n'y a pas de grain, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de grêle, il n'y a pas de relief. On voit à travers, il n'y a pas de danger. C'est pas du cumulonimbus, donc il n'y a pas un risque de turbulence sévère. Par contre, c'est, enfin, la vision est bizarre parce qu'on a toujours l'impression que le relief monte derrière. C'est un effet de petit. Est-ce que vous pouvez donner la météo à La Rochelle? Je vous rappelle 5-3 et pour info, CTR et CTA de Cognac active. CTR de Cognac active, bien reçu, c'est ça au cas, donc 5-3. CTR et CTA, donc vu votre route, vous allez dedans, vous êtes sur TNA j'imagine. Et donc ça monte jusqu'au 65. Bien reçu, on est juste. Ah, Cognac, d'accord. On va éviter Cognac, et normalement on va passer au sud de Cognac. Hein. Ouais. Ça c'était prévu parce que Cognac c'est militaire, hein. Ouais, ouais. Donc de toute façon ils te laisseront pas rentrer. Bon. Donc on devrait passer par le sud. On devrait passer le... Il y a le terrain de Jean-Jacques. 53, prêt à copier la météo de La Rochelle. LFCJ. Ah, prêt à copier. Vas-y, on va. La dernière de 8h30, un vent du 0,10 degrés pour 13 nœuds. Cavoc, température 11 et point de rosée 7, QNH 1019. Bien noté, je vous remercie, Golf 5-3. 1019. Ça va. Alors, la Rochelle là. Ah, il est 11h moins 5 déjà. Le truc de malade. Une plus d'une heure qu'on est parti, ouais. Donc 11, le vent il est plein de travers. Hein. La piste est de 0,97, le vent il est de 0,10 quoi, la gueule quoi. Ah, ben on traverse une grande route là. Okay. Ouais, parce que la piste elle est qu'à presque au 90. Donc on est au sud-ouest de Périgueux. La piste c'est de... À La Rochelle. Ouais. Elle est en travers. Ouais, 0,927. C'est un info, c'est 87-07, bonjour. D'accord. Fermi 87-07, bonjour. Bonjour madame, c'est un hélicoptère Colibri, Fermi 87-07 en provenance de Dash. Sillon à gauche. De Royan, on vient d'être libéré la par... La plus là, au niveau de Oscar Novembre. La route, la ville. Oscar Novembre, laisse par Saint-Laurent-Médoc. Ah, il est noté, là, ouais. Ouais, ouais, ouais. 87-07, affiché 12-30. Le retour, c'est Dax également. Ouais. Alors, on va poser un Royan. Ouais, il n'y a pas de risque majeur, il y a de l'indigie, on voit le sol. Après-midi,
tu vois. Ouais. Si vraiment ça se gâte, on peut partir sur les côtés. Peut-être dans le même axe. Plus silencieux. Okay, la course est touchée par le sol, donc il n'y a pas de risque. Ouais, ouais. On poursuit notre vol. Là, on fait un peu du crachin, bon, ben c'est pas dramatique. Pas méchant. Si on voit que ça se gâte, ben on s'escapera sur les côtés, quoi. On va essayer de passer au-dessus de ça. Ouais. Tu vois. On a niveau, on a droite au pire. Montez là-dessus. C'est en gros novembre, juste pour info, vous étiez parti du 4R1. Je vous reçois 4 sur 5. En gros novembre, vous étiez parti de quel terrain? On est parti d'Aurillac, Lima Fox, Lima Ouski, pour rejoindre La Rochelle. Reçu, c'est en gros novembre. Pas mal. On va aller chercher le bleu. Tango Alpha India, frère. On va aller chercher le bleu pour passer au-dessus. Voilà. Au pire, regardez derrière. Hein. On peut s'extirper là-bas. Hein. En fait, quand tu vas quelque part, tu dois toujours avoir un échappatoire. Ouais. Voilà. Pas te mettre dans un boulet d'étranglement. On sait que si on fait le virage à gauche, là-bas, le ciel est bleu. On va pas aller là-bas pour remonter. On va essayer de taper là direct. Ça doit passer, il y a du bleu devant. Là, on va monter tranquillement. On va passer au-dessus de cette zone-là. Parce qu'on voit qu'entre ça et ça, il y a une couche de libre. D'accord. Là-haut, c'est tout filandreux. Donc on va pouvoir s'extirper dans la zone bleue. D'accord. Bon, après, il va falloir faire... Quelle heure vous avez, là? 11h15, ok. Verticale dans un peu plus de 15 minutes. Regarde fil en dessous, on voit la terre. C'est pas épais du tout. Il faut descendre un peu. Nickel. Ouais, ça bien bon les gars. On passe entre les deux couches. Ouais ouais. Monte un peu le vario là. Ouais, donc là on est vraiment sur une file là. Ok ok ok. On prend, tu corriges hein, si je fais pas bien parce que là... Ah, donc là on voit le sol en dessous de la couche nuageuse. Et là-bas c'est la mer. Ah, limite, tu peux faire un petit papier, tu vois. Ouais. Léger, tu vois. Ouais, 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 ouais. Eh ben, si on... Alors, 80 ou 71 uniformes, maintenant, niveau 80, contactez Poitiers, 134 décimales unités, bon vol. 134 unités, Poitiers, merci. 71 uniformes. Eh ben, si on mord un petit peu, c'est pas très grave. Hein. Que... Est-ce que tu veux que je fasse? Non, tu descends. Ah oui, d'accord. Tu vois, il y a le virage là. Ouais, ouais. On va pas viser village, mais on va passer entre là. Même si, ah, on, oui, mord, ça y est, même si on mord un peu la brume, c'est pas très grave. Ouais, ouais. Tu vois. Oh, regarde à gauche là, merveilleux, ça y est. Oh, c'est fort. Ouais, c'est beau de voir le sol dit. Ça fait du bien de le revoir, ouais. Bon, on sait ce que ça veut dire, VFR. Là, t'as l'île d'Oléron à gauche là-bas. On la fera demain. Voilà. Bien. Bonjour les arbres, bonjour les champs, bonjour les gens.
c'est parfait. Hein. Ben, faut bien faire. Parfait, parfait. Faire ce vario-là de pour le continuer, parce que pour La Rochelle, elle est là-bas. Hein. Donc, il faut vraiment y aller pour se poser. D'accord. Donc, on est 5 minutes verticales Rochefort sur notre gauche. C'est parfait. Idéalement, il faudrait que ce soit à 2000 pieds dans le lance qui est là-bas, tu vois. D'accord. Pour pouvoir s'intégrer, quoi. Tu as la carte de vente, on est sûr, c'est... Ouais, je l'ai, elle est là. Enfin, j'ai... Pour la visualiser. D'accord, alors attends. Je la donne, t'arrêtes. Bon. Attends, à moins que mon téléphone se remette à marcher. Et tu... ouais. De la charge. Je te rends carrément le PDF. Ouais, ça c'est parfait. Voilà, tiens, t'as le PDF là. Hop là. Moi je vais reprendre la carte pour la mettre. Correctement. L'île Dex, c'est ça je pense. Là-bas là. Ouais. Donc tu vois, à l'île Dex, il faut être à Syra. Au Syra, c'est le village qu'il y a dans l'Anse. D'accord. Il faudrait y être à... C'est le village qui est là. Ouais, il y a une anse, ça fait quoi? Ouais, il y a un okay, village devant. Juste dans l'axe. Ouais. Il faut y être à 1500 pieds. Donc on a encore 2000 pieds à perdre. On est bon, hein? Ouais, ok. Passe un petit peu à droite, pour éviter la ville de Roche. Passe un petit peu à droite. D'accord. Et en plus, on va pouvoir filmer le... T'as vu le pont suspendu, là? Ouais. Oui. Ah, c'était celui-là, on était passé au pont suspendu, là? Ouais. D'accord. C'est bon, tu veux encore que je décale? C'est bon, parfait. Là, on reste droit comme ça et on descend. Bon, bah okay. Écoute, tu veux prendre une photo? Voilà. Là, c'est une convention, t'évites de passer trop au-dessus de la ville. Ouais, pour les visions sonores. Ouais. De toute façon, il y a des zones de survol, hein, qui sont implémentées. Ça doit être 3300 pieds, donc on y était, hein, on était dans les plombs. Par habitude, j'ai bien quitté les villes. Ouais, si tu tires à droite, tu passes vraiment sur le... Parce que là, on la traverse en plein, là. Si tu vires de 20 degrés à droite, tu traverses juste une zone très fine de la ville. Ouais, le plus léger, passons. On va essayer de rejoindre une base. Tu vois, la base, elle est là. Ouais. Donc après, on va tirer droit pour aller faire la base. C'est beau, dis donc. Tu peux commencer à... Mais là, tu vas passer par Syrah, donc. Hop, on va le vendre. On descend. Pour intégrer une base sur la Rochelle. Affirme Tango Nova, on va rattraper le long de la 4 voies pour une longue finale 27 en main gauche. Dernier vent 0,20 degrés, 10h, rafale 22. Pour une entrée en base Tango 27, on va supprimer la 4 voies. Devant la 4 voies, tu la vois? Ouais, je la vois, ouais. Donc on peut aller la chercher par rapport au carburant, quoi. Moi je suis un peu stressé. On est à 10 là. Il dit 10. On a du temps, hein, mais on est posé mieux. Hein? Donc on va prendre légèrement à droite, comme ça, là. Voilà, parfait. Donc là, on était vertical Rochefort, là. Ouais. Ah, je me disais, moi, s'il est où? Ouais, tu vois, il annonce 10 minutes pour La Rochelle, là. Ouais. On a du jus, mais bon, pas trop de peur. De serre de la vie de la 4 voies en l'axe là, dans l'axe pour faire la base. Ouais, ouais. Ah, ça y est, j'ai réussi à recompenser un peu les oreilles là, ça fait du bien. Y'a un truc pour voir? Bon, pour entendre. 1, 2, 3. Ouais, un peu mieux. Et si je dois rectifier le cap, hein. Oh, mais là c'est parfait là.
En fait, je prends la 4 voies là ou je continue comme moi, ça. Je garderai la 4, je viserai la 4 voies. Je reste sur la 4 voies. Ouais. D'accord. Ouais. T'as la vague sous les yeux, Phil. Tu as la vague sous les yeux ou tu la veux? Non, c'est bon. C'est bon. Le vert des champs est préférable au blanc des nuages. Fut-il immaculé. Alors, La Rochelle devant. Ah voilà. Oui, c'est grand La Rochelle, donc. Ah ouais. Je le compenser un peu, voilà. Un léger petit Mario, léger, tu vois. Ouais, voilà, ouais. C'est parti. Comme ça. T'as 1500, 1400. On est à 1400 pieds là? Ouais. D'accord. Bon, ben des vaches à 1400 pieds, ça fait quoi? 3 mm. Ouais. Ouais, peut-être 4. On voit même pas la piste. Non, la piste, elle est après la ville là-bas. Ouais. On va aller chercher une fois qu'elle sera là, on va tirer là, de 20 degrés à droite là. Ouais. Voilà. Hop. Tu regardes, ouais. Si on est en Sierra ou en Sierra Alpha là? Ah, ça c'est une bonne question. Me dis ça. Est-ce que je la vois aller au fond là-bas? Tu reprends, hein, tu me dis. Ouais, pour les ça, tu peux te dire, tiens, tu peux te dire. Ah, je tiens. Ouais. D'accord, ok. Il y a un reflet là-bas, t'as vu. Sur le sol, il y a un reflet du soleil. Ah oui. C'est pas un truc d'une torchère, mais non. Alors, j'ai envie de dire... Un chouïa à droite. Ça vous jette. Chouïa. Je vois du Sierra Alpha, moi, au fil. Alpha? C'est juste avant l'hippodrome. Hein. Sierra Alpha, c'est avant la grande route là. On a passé Sierra Alpha pour une base de 27. Tango novembre numéro 1, rappelé en longue finale directement pour la 27. Numéro 1, rappelé longue finale. Là on est sur du Sierra et le Sierra Alpha c'est tout à l'heure. Ok. Ah tiens, quand je suis descendu à cette échelle là, il a enlevé le timing. Ah ça il l'a remis, non il l'a enlevé. Donc là, si on suit la route, on va arriver sur Sierra dans une minute. Attends. C'est joli là, passer l'hippodrome. Le terrain, c'est la zone qui est un peu plus verte là-bas. Ouais, je pense que c'est là. Bah, je suis venu qu'une fois. Alors attends, là-bas, il y a le viaduc, la ligne de ré, la piste, ouais. Le prolongement. Terrain est à notre gauche là. Donc c'est moi, je resterai comme ça là, nickel. Terrain, ça doit être l'échangeur qui est en dessous là. Ok. Donc Sierra 334 pour aller sur Alpha. C'est bien parce que va falloir descendre à minuter, donc il faut commencer à descendre doucement. D'accord. C'est pas compliqué Phil, Sierra Alpha, tu vas voir la grande route là qui va faire un coude sur la droite et qui refait un coude sur la gauche. D'accord. Sierra Alpha on l'a à gauche là. Ok. Là. Il m'a dit de rappeler en final hein, donc on va faire deux ailes. Ah mais non, je veux pas de points là, c'est ça. Il y a un H, ça doit être un hôpital. La Rochelle, ouais c'est ça, je m'en fous, très bien. Ouais, c'est normal, on est pas sous couche là.
Ah ouais. Là j'ai mon bazar, le doigt il a... Il est envolé, tu sais. Je vais écouter la météo une dernière fois. Temperature plus 12 degrees, dew point plus 7 degrees, QNH 1019R, Quebec Fox Echo 1016. Inform La Rochelle on initial contact that you have received information Delta. Bonjour, ici La Rochelle. Information Delta enregistrée à 9h10 UTC. Approche ILS piste 27, piste en service 27. Niveau de transition 60, vent 0,20 degrés, 12 nœuds. Nous sommes cavoqués. On va voir un vin travers. Ok, il y avait un château, là il y a une ligne de chemin de fer, bon très bien. C'est parfait là. On va rester comme ça. Voilà. On sent le pied parfait. On bouge plus, on est là. Je stabilise là. Ouais. C'est ce qu'on voit à gauche là-bas, le terrain? Ouais. On dirige où à la tour. Ok. En fait, tu peux faire tout appui sur la 4 voies pour faire ton étape de base en fait. Hein. Elle voit même pas le terrain, moi. Bah, c'est la grande surface là-bas, là. Ouais. Ah, ouais, d'accord. C'est beau là. Ah, ouais, c'est super. Franchement. On va faire un billet. Allez, hop. Ouais, ah oui, effectivement, tu vois la différence. Hein. Bah, la proche, ça va être un petit peu nerveuse. Hein. Ok. Vous voyez ? Pas de problème. Je te laisse reprendre, non? Ouais. Et le prendre pour... Ouais. Fox Tango Novembre dans le dernier virage pour un complet sur la 27. Ah, Tango Novembre, on a la porteuse, mais on ne vous entend pas. Un grand volet, hein. Fox Tango Novembre, on a le 27 à La Rochelle. Oh la merde, hein. Tango Novembre, on est final le 27, on a la porteuse, on ne vous entend pas. Tango Novembre, autorisé atterrissage 27, vent 0,20 degrés, 10 nœuds. Autorisé atterrissage 27, pour Tango Novembre. Juste où, quoi, hein. Ouais. Ouais. Ça, je vais reposer quand même. Ah bah là, maintenant, il me faut, oui. Non, mais je veux dire, même si c'est pas la Clara... Ah bah de toute manière, oui. Moi, j'avais la porteuse, mais on avait pas la parole. Ouais. De toute façon, on était numéro 1. Oui, oui, voilà. C'est annoncé numéro 1. Ouais. Et il est 12h20. Oh, mais putain. On n'a pas le choix. Hein. Au-delà du château, après, il y a des questions qu'il a fallu gérer. Hein. Concentration. Ah oui, effectivement, un peu de travers quand même. Ouais. Désolé hein, pour l'atterrissage, ouais, là, ouais. Là j'ai apporté. Oh non, ça va, moi j'ai déjà apporté mieux que ça. Ouais, non, mais là, avec les... Allez. Oh, très beau atterrissage.
sur la droite, il faudra être au carburant face au nord. Donc là, vous prenez tout droit et vous prendrez ensuite la bretelle à droite et vous ferez le tour du carburant pour être face au nord. C'est parfait, j'ai bien compris, monsieur. Je vous rappelle une fois à la pompe. Arrête au gonome, je vais faire un essai radio de l'autre côté, voir si vous me recevez. Très bien, oui, parce que j'avais la porteuse, mais je n'avais pas le, j'avais pas la parole. Donc je fais l'essai là dans quelques secondes. Piste dégagée. Piste dégagée, on roule à la pompe. Faire en fait par le parking et revenir comme ça. Donc on dirait que ça passe pas là du côté droite, hein, donc j'ai des problèmes radio à droite, merci. Donc ce sera sur votre droite et au carburant face au nord. Impeccable, merci beaucoup monsieur. On vous recontacte pour la mise en route pour rejoindre le parking G. Ah, si vous partez tout droit, oui, il faudra me rappeler pour rejoindre Golf. Il n'y a aucun souci, on vous rappellera monsieur. C'était du, c'était de la 100 ml. Bien. Parce que je vais reculer. Hein. Là. La carte qui s'est barrée. Là. La carte. La carte, elle est dehors. Ah merde. Ah ouais, bah ouais. À droite. Le soutier va faire le plein du Ryanair. D'accord. Il va revenir ici avec son gros fourgon, il va nous faire le plein de l'avion. D'accord. Comme ça on sera pédard, ça va être pire. Ah ben...